Ce mardi 9 avril dans TPMP, Gilles Verdet et Raymond Abou sont revenus sur le ras-le-terre-cation de la veille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas prêts de se réconcilier. L'impossible réconciliation. Le lundi 8 avril, l'équipe de TPMP a reçu Meline, une ancienne candidate des 12 coups de midi, qui affirme avoir reçu des photos intimes et des propositions sexuelles de la part de Christian Quesada. Un témoignage qui a vivement fait réagir Raymond Abou. Je t'en veux car c'est avant qu'il fallait venir le dénoncer aujourd'hui. C'est trop tard de venir sur le plateau. Soit ce qu'il t'envoie te déplaît et dans ce cas tu le bloques ou tu le dénonces. Mais tu ne viens pas des mois après sur le plateau de l'émission, a-t-il lâché à la jeune femme. Mais cette réaction n'a pas du tout plu à Gilles Verdet. Comme l'a révélé Téléstar ce mardi 9 avril, un énorme clash a éclaté entre les deux chroniqueurs hors antenne. Coup de rage, l'ex-animateur du grand JT des faits divers serait jeté sur son camarade avant de lui ordonner de fermer sa gueule. Raymond, quant à lui, a jeté son micro et a lancé à tout le monde, « Vous êtes des grands malades, je me casse », ont révélé nos confrères. Gilles Verdet et Raymond Abou reviennent sur le clash point ce mardi soir. Cyril Hanouna est revenu sur cette altercation dans l'espoir de rabibocher ses deux chroniqueurs. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Gilles, c'est un grand garçon, il a son caractère, a débuté Raymond Abou, qui se trouvait alors en coulisses. J'ai mon caractère aussi, on se dit des mots, on se parle. Mais, j'ai rien à dire à Gilles, s'il a quelque chose à me dire, qu'il me le dise. Et Gilles Verdet de répliquer, c'était quand même une agression, il y a eu des menaces, de la violence et des injures. Point témoin de leur accrochage, Benjamin Castaldi est intervenu. Le ton est monté d'un côté comme de l'autre. T'as pas voulu arrêter, a-t-il déclaré à Gilles Verdet. Raymond est monté dans les tours. Point. Si vous pouvez pas passer outre, ce serait bien dommage. Visiblement très touché par cette affaire, le futur mari de Fatou a alors rétorqué que Raymond pourrait, lui, faire des excuses. Ce que le principal intéressé a refusé. C'est dommage de parler d'insultes, alors que c'est lui qui insulte les gens. Moi, j'ai jamais dit pour dire, j'ai jamais dit, le tout fait chier Raymond. Vous êtes pas honnête, les tensions ne risquent pas de s'apaiser de sitôt.